Et l'on va retrouver en direct de Limoges le club de basket qui a réussi un véritable exploit historique hier, devenir le premier club champion d'Europe dans un sport collectif, en l'occurrence le basket. Avant de réentendre Richard Dacoury, le capitaine de l'équipe et les joueurs, revenons sur le film d'hier soir, le film du match d'hier, où l'on a eu de belles frayeurs. Il y avait une véritable dramaturgie. Premier temps, le doute. Deuxième temps, le sursaut. Troisième temps, la victoire. Réécoutons Patrick Montel. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on est très tendu du côté de Limoges, qu'on a une réussite absolument affolante pour une finale de championnat d'Europe de club. Et que pour le moment, eh bien, Benetton Treviso s'en va vers une victoire assurée, 17-8 après 11 minutes de jeu en première période. Frédéric Forté, mannequin, qui fasse le tir. Oui! Limoges qui passe en tête! 44-43, c'est du délire! Depuis le début du match, il reste encore 7 minutes et 50 secondes de jeu. C'est fini! Frédéric Porté aura le ballon du match! Il va marquer, c'est fini! C'est fini! Limoges remporte la Coupe d'Europe des clubs champions! 59 à 55! Ce sont ces images!